J'ai utilisé des éléments qui sont assez parlants, comme le code barre, la diversité des couleurs pour l'urbanisation, parce que l'urbanisation au Maroc est très importante. Et puis, conclure avec deux satellites qui placent le Maroc dans l'avant-garde des pays puissants. Bon, puissants dans la recherche et dans la culture. En utilisant toujours mon alpha, mon langage plastique, les ondulations, les vagues, etc. Il y a d'autres éléments qui manquent. Je n'ai pas osé les mettre pour ne pas gâcher, pour rester plutôt sérieux que rigolo. Cette expo, en soi, pour moi, c'est une rencontre et une fête. C'est une fête de rencontre entre un ensemble d'artistes. Si la chose... effectivement, comme j'ai dit, j'ai répondu parce que d'abord je suis marocain et j'ai mon roi et mon pays, et que bien sûr je ne suis pas un cinéaste, je ne suis pas un pamphlétaire pour raconter des choses qui sont passées pendant 20 années. J'étais en pleine dynamique d'un travail que je suis en train de réaliser, et effectivement une œuvre est sortie. Je pensais, quand je parlais de dynamisme, c'est marrant, hein, le mot dynamique. Cette œuvre résume en elle une espèce de dynamisme, d'élévation, de force, qui résume un petit peu tout ça. Ma démarche à moi, je la veux cohérente. Donc j'ai essayé de retranscrire dans le tableau que vous avez là derrière vous, de façon dans la même lignée que mon travail. Donc j'ai repris l'humain, parce que c'est l'humain qui est au milieu de mon travail, l'humain, avec des écritures qui sont des écritures automatiques que j'ai laissées aller avec cette thématique de 20 ans de règne de mon roi. Les 20 ans que j'ai scandé derrière comme un espèce de rythme pour aller comme dans quelque chose un peu de petit vertige avec ces années qui passent. Et devant, en premier plan, j'ai laissé aller les 3 temps qui sont importants pour moi. Comme je travaille sur la pierre, le temps est important. Donc il y a le passé, le présent et le futur. La grande mosquée Hassan II, qui était le monument, le giga monument. On a tous des souvenirs de ça quand on était petit. C'était un chantier pharaonique, tout le pays en parlait, etc. etc. Et à partir de là, je me suis dit, on n'habite pas très loin, j'y vais souvent, et je me suis dit, elle est très belle cette mosquée. Je me suis dit, qu'est-ce qui a bougé depuis? Qu'est-ce qui a changé depuis? Et j'ai essayé de prendre l'exemple juste à partir de ce point-là, de ce site-là, c'est-à-dire sur le front de mer à Casablanca et pas un autre. Et là, j'ai commencé à avoir une réflexion sur qu'est-ce que la religion? Qu'est-ce que notre religion? Et ça fait suite à une discussion que j'ai eue avec mon père, le Hajj Haddo, qui vit à Al-Qsiba, et qui m'a dit « Wildi, wesh katsalli ?» Goutle, la. Galli, arfti l'Farran ? Goutle, arf l'Farran. Galli, wesh tchulli ? Goutle, la, man tchulli. Et cette idée de toujours nous faire peur avec la religion parce qu'on ne l'accomplit pas, on l'accomplit mal, m'a travaillé, et j'ai décidé de lui faire une sorte de petite citation pour rire avec lui là-dessus. Et pour moi, peut-être que notre religion, en tout cas notre culture, parce que c'est la mienne, doit peut-être un peu décoller aussi. J'ai fait le choix de m'arrêter sur une photo un peu qui est apparue dans les journaux où l'on voit marcher, on voit Sa Majesté un petit peu oublier le protocole et enfoncer son pied dans la boue à Al-Husima en 2004. Et moi, je trouve que symboliquement, c'est une image très riche en termes de composition esthétique d'abord. Puis après, je trouve que symboliquement, c'est une image qui représente un peu l'idée de la reconstruction malgré un désastre naturel qui est en dehors de la volonté humaine. Cette volonté un peu à reconstruire, c'est la même qu'on pourrait retrouver dans une démarche d'artiste à essayer de recréer les choses, de les reproduire et d'avancer malgré les événements incontrôlables qui peuvent surgir à droite et à gauche. C'était un challenge pour moi de rester à la fois en fait, fidèle à mes pratiques artistiques et trouver un sujet. C'est à la fois très riche, mais très délicat, très compliqué. Et du coup, enfin, d'une manière très spontanée, étant du Nord, en fait, c'est tout le changement et le développement qu'a connu la région, notamment de Tétouan-Tanger. Les infrastructures, la route, le nombre de routes, et donc cette image de la route, en fait,
en perspective et qui me semblait très présente dans mon esprit, que j'ai essayé en fait de représenter avec des fils métalliques, des petits bouts de fils métalliques qui sont plantés un par un sur le papier.